servir d'abord. Eh bien, servir d'abord, je crois que nous sommes exactement au creux de ce que nous souhaitons, nous, au Rotary Club, et notamment au Rotary Club de Fontainebleau. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour la remise d'une contribution offerte par le Rotary Club de Fontainebleau dans le cadre d'une action qui, une action caritative qui a porté sur 4 années. Et grâce à la collaboration des présidents qui me suivaient. Comme l'a très bien dit Florence, notre préoccupation, c'est tout de même d'essayer de servir à quelque chose, si bas, modestement, et d'abord autour de nous. Et je crois qu'on est tous vraiment, très sincèrement fiers d'avoir pu, comme l'a dit Florence, mettre pendant quelques années des sous de côté pour ce chien et pour la cause que vous servez, et qu'on trouve vraiment une cause magnifique pour laquelle donc on vous félicite chaleureusement. Merci. Donc cette preuve est bien là, face à vous. Vous en avez une autre avec le mien qui circule aussi depuis un petit moment maintenant, depuis 2 ans et demi. Cet argent va directement les chiens puisque nous n'avons pas d'autres types de fonctionnement. Nous allons avoir un nouveau véhicule au mois de septembre sur lequel il y aura votre logo. Sachant que comme ça dans toute la Seine-et-Marne, ben, on saura que partout où on se déplace, on saura que le Rotary Club de Fontainebleau soutient notre action, notre association. Parmi nous, nous avons Valérie et Claude, qui sont là, approchés, qui ont eu Ipso depuis son entrée en éducation jusqu'à sa remise à Annie. Ils l'ont eu tous les week-ends. 3 personnes représentatives de nos bénévoles qui nous aident à élever et éduquer ces chiens pour la remise aux personnes déficientes visuelles. Je voudrais dire un grand merci à Rotary Club. Je voudrais aussi dire un grand merci au CIO qui m'attribue mon 4e chien. En tant que personne atteinte d'un double handicap, de la cécité, de la surdité, avoir un chien guide, c'est tout mon bonheur. Alors merci encore.